Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga 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 Shwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta 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 Shwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho समर्पण को तेरे प्रणाम समर्पण को तेरे प्रणाम ममता का तू है दूजना समर्पण को तेरे जो तू है लड़ रहा मौत का बढ़ रहा कारवां तेरे हाथों से ही जग का आशीष है तेरा जीवन तेरा ना रहा किस पथ पर चले ना रुके ना डरे विश्व तेरा सूरज की तरह तू अखंडित रहा तेरा जीवन ही है प्रेरणा समर्पण को तेरे प्रणाम समर्पण को तेरे ढूंढ खुद में
जीवन की ये क्या है जुबान, आदतों में बंधा मन ये अंधा हुआ, दोहराएंगे ना गलतियां, जाया होगी नहीं तेरी कुर्बानियां, तेरे साथ है हम यहां, समर्पण को तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे प्रणाम। नमस्कारम à tous. Donc, c'est notre gratitude pour tout, les hommes et les femmes dans le monde entier qui risquent consciemment leur vie pour le bien-être de tous. Quand le ministre de la Santé en Inde a proposé à toutes les infirmières et médecins de doubler leur salaire, ils ont refusé. Je crois que parmi les plus de 200 000 morts dans le monde, plus de 5 000 étaient des professionnels de santé. Voici un petit poème pour vous. Il s'appelle « Sans honte ». A peacock with his magnificent plume, a masterpiece of color and form, without compare, has to let out high-pitched calls to get attention to his immense beauty. Living in this world that is distracted beyond words and clueless of the many rewards of keenness of attention, in challenging times that we are, if you have something of value that could benefit life in smallest ways, stand up and shout shamelessly. Well, demain matin, à 10 heures, le Premier ministre va s'adresser à la nation et annoncer les changements de politique qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Quelques États ont pris les devants et d'ores et déjà annoncé un confinement total. Le Tamil Nadu en fait partie. Là se trouve le centre Isha Yoga. Donc, en ce qui nous concerne, nous continuons le confinement jusqu'au 30 avril. Dans le reste du pays, est-ce qu'il va y avoir des assouplissements pour certains types d'activités ou pas? C'est quelque chose que nous saurons d'ici demain. Je crois qu'il va y en avoir parce que c'est la saison des récoltes dans certaines parties du pays, dans le nord. Donc, cela pourrait être assoupli et de plus, il pourrait y avoir des assouplissements dans certains secteurs. Ils veulent
partiellement reprendre les opérations dans l'industrie pour qu'après avril, elles soient capables de se remettre à produire. Donc, c'est comme un petit pas dans cette direction. Mais tout est encore fluctuant et flottant parce que c'est sujet aux humeurs du virus et au degré de responsabilité avec laquelle nous tous, nous nous comportons. Parce que la charge qui va peser sur la nation, sur le monde et sur les infrastructures médicales dans le monde dépend en grande partie du fait que l'on se comporte de façon responsable, de notre efficacité à veiller à ce que le virus ne nous atteigne pas. Même dans la ville de Coimbatore, certaines zones ont été complètement fermées. Complètement. Certaines zones font l'objet d'un blocus parce qu'ils ont découvert des cas et ils répondent comme ça, ce qui est la seule façon de faire. Heureusement, le nombre de gens infectés et le nombre de morts est encore sous contrôle en Inde. Et de plus, la courbe est en train de légèrement s'aplatir. Les effets du confinement se font sentir. Heureusement, même aux États-Unis, le nombre de morts s'est un peu stabilisé. Il était de 2000 par jour, il a un peu baissé. Mais le nombre de gens infectés, le nombre de gens en soins intensifs, ces nombres ont augmenté, je crois. Donc on ne sait pas encore vers où ça va, parce que ce sont de grands pays, l'Inde, les États-Unis, ce sont de très grands pays. Ce qui se passe en... Vous savez, c'est comme... Comparé à d'autres nations, chaque État est comme une nation. Donc, aux États-Unis, vous pouvez dire qu'il y a 50 nations. En Inde, il y a 28 nations, si on compte les États. Parce que la population et l'espace géographique sont tels qu'on ne peut pas vraiment voir ça comme... comment dire... les nombres. Pour l'ensemble de la nation, en ce moment, je pense que ce qui a lieu aux États-Unis, peut-être, je ne suis pas très sûr des chiffres, mais il se peut que plus de 50% proviennent uniquement de l'État de New York. Le reste du pays ne traverse peut-être pas la même chose parce qu'il y a des distances géographiques importantes. Et si les gens se comportent de façon responsable, ça peut être contenu là où c'est. Donc, on en est là. Et... cette situation ne devrait pas servir à rien. Tant de vies sont parties, cela ne devrait pas servir à rien. Tant de gens sont morts, plus de 100 000 personnes sont mortes. On ne devrait pas permettre à cela de ne servir à rien. Nous devons utiliser ce temps. Il reste encore 16 à 17 jours ici en Inde. Et pour nous tous, comme je l'ai dit plus tôt, chacun d'entre nous doit s'efforcer de s'améliorer d'au moins 10% dans ce que nous sommes, physiquement, mentalement, émotionnellement, en ce qui concerne nos compétences dans ce que l'on fait, 10% d'amélioration. Le monde entier sera un meilleur endroit pour vivre, croyez-moi, si tout le monde devient 10% meilleur qu'il ne l'est. Et dans les communautés spirituelles, ça existe. Mais si tout le monde s'y met, chaque année, vous faites une pause de 2 ou 3 semaines pour vous améliorer, pour vous-même, physiquement, mentalement, émotionnellement, et au niveau de vos compétences, si vous faites ça pour vous-même, consciemment, ça pourrait aussi avoir lieu sans en être très conscient au cours du processus de la vie et du travail. Mais je parle d'une pause consciente, juste pour vous améliorer. Si tout le monde fait ça, je pense que dans quelques années, on ne regrettera pas cette pandémie, parce qu'on aura une bien meilleure humanité, et c'est la seule façon d'avancer. Donc, les pertes que l'on a subies en termes de vie, les pertes que l'on va subir en termes économiques, et les bouleversements sociaux qui vont avoir lieu avec ça, nous devons
les compenser par une amélioration des vies humaines, parce qu'au final, c'est tout ce qui compte pour nous. Je pense qu'il y a des questions. Cette question est de Prashant. Namaskaram Sadhguru. Tant que nous sommes en vie avec ce corps et ce mental, on accumule sans cesse du karma. J'aimerais savoir si lorsqu'on perd notre corps et notre mental, c'est un meilleur moment pour gérer les karmas. Est-il infecté? Non. Eh bien, vous êtes nombreux ici. Je réfléchis au contexte à donner à cela, parce que cette question implique trop de choses. Pour le dire simplement, pour le dire très simplement, quand vous dites quelque chose très simplement, il pourrait y avoir des failles. Si certains d'entre vous qui regardez en ligne, si vous trouvez une faille, revenez avec une question demain, on va continuer cette affaire de karma. Si vous ne le savez pas déjà, il ne me reste plus que 2 ou 3 heures de travail pour terminer le livre sur le karma, qui va être publié aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc, c'est en cours depuis plus d'un an, et il devrait être terminé dans les jours qui viennent. Donc, qu'est-ce que le karma ? Voyez, le karma est l'information ou la mémoire ayant lieu à différents niveaux qui fait de vous qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes uniquement à cause de la mémoire karmique que vous portez. Alors, quand est-ce devenu un problème? C'est devenu un problème parce que vous vous êtes identifié à cette mémoire. C'est comme, même maintenant dans votre vie, vous n'êtes conscient que de bien moins de 1% de votre mémoire. Plus de 99% existe en vous inconsciemment. Jusqu'à quel point? Eh bien, malgré toutes sortes d'efforts, vous verrez que la mémoire en vous joue à sa manière. La mémoire génétique, la mémoire karmique, dès l'enfance, dans chaque petite chose. C'est comme par exemple, disons que hier, vous avez pris un repas et ça n'arrive pas au centre de yoga, mais disons que vous êtes ailleurs et vous ouvrez votre repas et là vous trouvez un cafard vivant ou une souris ou autre chose. Ça arrive dans certains endroits. Eh bien, si aujourd'hui on vous offre un repas, cette mémoire va vous faire vous comporter d'une certaine manière. Et cette mémoire pourrait vous faire vous comporter de façon étrange à chaque fois qu'un repas vous est servi. Donc plus vous vous identifiez à cette seule expérience, vous avez mangé, je ne sais pas combien, disons que vous avez vécu 50 ans et vous avez mangé 3 repas par jour, combien ça fait? 365 fois 50 fois 3, quel que soit le résultat, vous avez mangé ce nombre de repas. Tout allait bien, mais juste un repas, quelque chose gigotait dans votre nourriture. Maintenant, cela va dominer. À chaque fois qu'on vous sert un repas, ce souvenir revient. Et au bout d'un certain temps, ce n'est même pas un souvenir conscient, vous êtes juste vigilant là-dessus. Donc, c'est ce que la mémoire vous fait. Au bout d'un certain temps, vous n'y pensez même pas. Elle va vous faire vous comporter de façon étrange. C'est pour ça que vous êtes tous de 6 étranges créatures, à cause de diverses sortes de mémoires inconscientes qui vous font vous comporter de certaines manières. Donc, toute cette dimension du karma devient importante sur le chemin spirituel parce que vous recherchez la transformation. Se transformer veut dire changer la forme même de ce que vous êtes. Vous rendre tel que votre forme est le moins de résistance possible.
La forme que vous avez adoptée est telle qu'elle va vous permettre de traverser la vie et la mort sans effort. Vous avez pris le genre de forme qui va naturellement se rendre disponible au processus de dissolution. C'est le genre de forme que vous essayez d'adopter. Donc, vous essayez de transformer, c'est-à-dire que vous essayez de prendre une forme différente de votre forme actuelle. Votre forme actuelle est le fruit d'un amalgame très complexe de mémoires qui vous sont parvenus à travers les cinq sens, qui vous sont parvenus à travers la génétique, qui vous sont parvenus à travers le processus évolutif. Il y a diverses dimensions, il y a 8 dimensions de mémoire. Elles sont toutes karmiques d'une certaine manière. Bien qu'il y en ait une en particulier qu'on appelle karmique parce que c'est un processus actif, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, comme je l'ai dit, si vous réussissez à trouver des failles, demain vous pouvez poser une question. Donc maintenant, vous essayez de changer la forme de ce que vous êtes, la façon même dont vous êtes, la personne que vous êtes, c'est-à-dire qu'essentiellement, vous essayez de faire de vous-même le genre de personne qui ne devient pas un obstacle dans votre processus de libération ou de dissolution. En ce moment, si vous avez un fort sens du « je suis ceci, je suis cela », alors vous-même êtes une entrave, vous-même êtes un obstacle. Vous n'avez besoin d'aucune aide extérieure, vous vous auto-bloquez. Donc la sadhana spirituelle est juste ceci. Vous essayez de vous donner le genre de forme où vous n'êtes pas un obstacle. Il y a d'autres problèmes avec la création qu'il faut gérer. C'est là l'importance d'être assis avec un gourou. Vous ne devez gérer que vos propres problèmes. Les problèmes existentiels, il va les gérer pour vous. C'est ça que ça veut dire. Les dimensions existentielles dont vous n'êtes pas conscient, qui ne font pas partie de votre expérience, c'est ça qu'il est censé gérer. Il n'est pas là pour faire office de psychiatre au quotidien. Sadhguru, je me sens comme ceci, que faire? Sadhguru, il se passe ça, que faire? Je ne m'entends pas bien avec la personne avec qui je partage ma chambre, que faire? Il n'est pas là pour s'occuper de ça. Malheureusement, il le fait, celui-ci. Juste parce que je suis assis sur un divan, les gens m'ont pris pour quelqu'un d'autre. Et ils sont sans cesse en train de poser des questions d'ordre psychiatrique. Non, ça, ce sont des choses que vous êtes censé gérer. On vous a donné des outils pour les gérer. Ingénierie intérieure est juste un outil. Si vous l'appliquez, aujourd'hui, à 100%, vous verrez que c'est la fin de vos problèmes psychologiques. Oui, Sadhguru, j'ai fait ingénierie intérieure, mais... C'est « mais » parce que vous ne l'appliquez pas. Vous pensez qu'ingénierie intérieure est une qualification, comme DUG, MBA, MSc, PhD. J'ai fait ingénierie intérieure, j'ai fait Bhavasvandana, j'ai fait Hatha Yoga, j'ai fait Shunya, j'ai fait Samyama, mais Sadhguru, j'ai tout de même des problèmes. Ça veut dire qu'on vous a donné des outils pour serrer des vis, et au lieu de ça, vous vous les plantez dans le nez, et ils saignent. Oui. Oui, c'est tout ce qui se passe. Donc, cette partie-là ne consiste pas à dissoudre votre karma. Cette partie-là est juste là pour vous aider à vous rendre disponible au processus, au vrai processus qui doit avoir lieu. Vous êtes disponible pour ça. C'est tout ce que vous êtes censé faire, devenir disponible. Maintenant, comment s'appelle-t-il? Prashant. Oh, Prashant. Prashant a une importance particulière pour moi, parce que, vous savez, la maison où j'ai grandi, la maison de mon père s'appelait Prashant, écrit en gros. Donc tout le monde nous appelait parfois, « Oh, cette famille Prashant !» Donc ce Prashant, Prashant veut dire « toujours en paix ». Donc il pose cette question. Puis-je m'occuper de ces choses après ma mort? Eh bien, ceci est arrivé. C'est arrivé
dans une université française, le professeur d'histoire expliquait aux étudiants qu'avant la Révolution, la loi était si cruelle pour les gens ordinaires que si vous voliez un poulet, on vous coupait une main pour le premier délit. Deuxième délit, la deuxième main était coupée. Troisième délit, il vous coupait la tête. Donc un étudiant qui était assis à l'arrière a demandé, « Comment quelqu'un peut-il voler un poulet si ses deux mains sont coupées ?» Donc, vous avez perdu votre corps et vous avez perdu votre mental qui discerne. Maintenant, comment allez-vous gérer votre karma? La dimension la plus importante de votre existence actuelle, même si vous êtes infecté, vous êtes encore en vie pour poser la question, l'importance de cette vie, c'est que vous avez un mental qui discerne. Je veux que vous compreniez ceci. C'est la dimension la plus importante de l'être humain, que vous avez un mental qui discerne, que vous n'avez pas à réagir instinctivement comme les autres animaux. Vous pouvez réfléchir au problème et répondre comme vous voulez, peu importe ce que disent vos instincts. Donc, une fois que vous avez perdu ceci dans le processus de la mort, alors votre capacité à gérer cela disparaît. Vous ne pouvez rien gérer. Vous fonctionnez uniquement selon des tendances. Voyez, il y a peu encore, toutes ces feuilles étaient sèches et en train de tomber. Maintenant, toutes les feuilles fraîches sont arrivées. Même une feuille morte va quelque part, mais elle ne décide pas où aller. Là où le vent souffle, c'est là qu'elle va. C'est ce que vous allez devenir quand vous serez mort. Vous n'allez pas décider où aller, ce n'est que maintenant. C'est maintenant, quand vous êtes en vie et que vous avez encore un mental qui discerne et qui fonctionne, même s'il fonctionne partiellement, vous avez quand même un mental qui discerne. Maintenant, vous pouvez décider où aller. Ce privilège, où ma vie doit-elle aller, ce privilège vous sera retiré dès l'instant où vous aurez perdu votre corps et votre mental qui discerne. Il faut savoir cela. C'est ça l'intérêt d'être humain. Quand vous étiez un singe, vous n'aviez pas un mental qui discerne. Quand vous étiez un reptile, vous n'aviez pas un mental qui discerne. Maintenant que vous êtes devenu un être humain, peu importe quel genre vous êtes, « Oui, Sadhguru, mais je suis... » Peu importe quel genre vous êtes, vous avez un mental qui discerne. Peut-être que vous ne l'utilisez pas, vous le conservez peut-être pour l'utiliser post-mortem, vous savez. Ce que je dis, c'est que vous ne l'aurez pas. C'est la seule période où vous pouvez l'utiliser. C'est la seule période où vous pouvez faire naviguer votre vie où vous voulez. Au-delà de ça, c'est uniquement selon des tendances, d'autres forces vont décider. Eh bien, Sadhguru, pouvez-vous vous en occuper? Si je meurs, allez-vous vous occuper de tout mon karma? Non. Si vous l'avez dissous à tel point que la coque est devenue très fine, alors oui. Autrement, on peut vous bénir pour que vous reveniez sous la... vous savez... sous la forme d'une souris, dans un riche grenier, où il y a beaucoup de nourriture. Non, je suis juste cruel. Juste comme ça, vous savez. Parce que je veux que vous compreniez que pour faire une quelconque intervention, une intervention qui a une pertinence existentielle, pas vous donner des conseils, pas vous enseigner quelque chose, une véritable intervention, une vie doit être au bon endroit. Autrement, vous ne pouvez tout simplement pas intervenir, personne ne le peut, je vous le dis. Mais si on a fait des efforts, qu'on l'a amené à un point où il y a un minimum de choses, où elle est devenue fragile, maintenant,
ça continuerait indéfiniment. Quand je dis indéfiniment, c'est parce que le temps est... La façon dont il passe actuellement, le temps, c'est uniquement du fait de votre corps physique que vous avez une telle expérience du temps. Ce darshan, au lieu de durer 40 minutes, supposé... Non, ce n'est pas le moment de dire ça. Imaginez que vous n'ayez pas de corps. Je vais vous faire asseoir ici pendant 4 millions d'années. Où est le problème? Je vous le demande. Ce serait quasiment pareil, 40 minutes ou 4 millions d'années, ou 40 millions d'années serait pareil pour vous. Comme il y a un corps, le temps a acquis une certaine importance. C'est la raison pour laquelle, quand l'instant de la mort approche, les gens essaient toujours de créer une atmosphère de paix, d'amour et de joie pour le départ de la personne, parce que si elle part dans cet état, une fois de plus, comme vous l'avez tous remarqué, un certain jour, si vous êtes déprimé, un jour semble durer 10 ans. Un autre jour, si vous êtes très joyeux, un jour semble durer 10 minutes. Donc, on veut veiller à ce que celui qui part parte dans un état agréable, afin qu'il ne ressente pas la durée du temps. Il ne va pas souffrir de cet état, parce que ça passe juste comme ça. Cette dimension de vie, une fois qu'elle a perdu son corps physique et son mental qui discerne, a encore d'autres aspects. À quel point ils sont actifs dépend simplement de votre degré d'identification avec votre substance karmique. Si vous êtes très identifié, ça va continuer à fonctionner, même au-delà du corps. Mais si votre identité est faible, alors c'est très léger, ce dont on peut facilement s'occuper. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes identifié avec votre processus karmique, ça veut dire que naturellement, la vie aspire à reprendre une forme. Elle aspire à reprendre une forme. Vous ne pouvez pas intervenir sur cette vie. Vous devez juste la laisser faire. Au plus, la guider un peu pour qu'elle prenne une forme qui sera bénéfique. Mais vous ne pouvez pas complètement intervenir sur cette vie et la terminer ou la libérer. Donc, seule cette vie, dont l'identité avec sa propre substance karmique est minimale, sur cette vie, vous pouvez intervenir. Donc, c'est important. Ce que l'on fait en ce moment, allez-vous partir pleinement conscient? Peut-être pas. Mais si vous partez dans un état tel que les choses ont été minimisées, votre karma a été minimisé, vous ne travaillez qu'avec un karma alloué. Le karma accumulé, ou ce qui est, vous savez, le dépôt de karma ou l'entrepôt de karma que vous portez, cela n'a pas encore été géré. Mais cela peut facilement être détaché parce que vous n'êtes pas consciemment identifié à cela. Cela peut être emporté. Maintenant, la substance karmique avec laquelle vous avez des identifications conscientes en ce moment, c'est ça que je suis, j'aime ça, je n'aime pas ça. C'est ainsi que vous établissez votre identité avec votre substance karmique. Si cela est fort, vous ne pouvez pas juste intervenir et la briser. Voyez, je n'ai pas établi les principes de ce processus de vie. Ok ? Les principes sont établis ailleurs. L'intervention est une autre dimension. Ceci est arrivé. Un centipède. Vous savez un centipède? Avec 1000 pattes. Un centipède à la goutte. Énorme problème. 1000 articulations douloureuses. Vous imaginez? Si vous avez une crise de goutte, vos articulations au niveau des chevilles ou du genou vous font mal, juste 2. Pas tant que ça. Si vous êtes à 1000 pattes, 1000 problèmes. Donc, il va demander conseil à la chouette sage. Une chouette est un oiseau sage partout ailleurs dans le monde, mais pas en Inde. En Inde, Ulu, ou Gubei, veut dire que vous êtes un parfait idiot. Partout ailleurs dans le monde, une chouette est considérée comme un oiseau sage, donc ça ne se passe pas en Inde.
Donc le centipède va voir la chouette et lui demande, « J'ai la goutte à chacune de mes 1000 pattes, que dois-je faire ?» Alors la chouette le regarde et lui dit, « Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire est de devenir, le mieux est de prendre la forme d'une souris. Tu n'auras que 4 problèmes. Tu auras toujours la goutte, mais tu n'auras que 4 problèmes. En ce moment, tu as 1000 problèmes. Il n'en restera que 4, tu te sentiras merveilleusement bien. » Ça vous est arrivé, n'est-ce pas? Vous aviez tellement de problèmes. Vous avez fait ingénierie intérieure. Peut-être que la moitié sont partis, ou que seuls 4 sont partis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou que 96 sont partis. Et vous vous sentez super. Ça ne veut pas dire que tout est parti. Seul ce que vous avez autorisé à partir est parti. Vous devez le comprendre. Ce que vous autorisez à partir part. Ce à quoi vous vous accrochez reste avec vous. Donc, le centipède y réfléchit et se dit que c'est une bonne idée. Puis il demande, comment est-ce que je deviens une souris? La chouette lui dit, non, non, on ne fait qu'établir les principes ici. Pour une intervention, vous devez chercher ailleurs. La création est comme ça, elle a seulement établi les principes. Pour une intervention, il faut s'y prendre d'une certaine manière. Donc le karma, ou la substance karmique, est telle que sans elle, vous ne pouvez pas exister. Mais si vous êtes trop identifié à elle, à chaque pas que vous faites, vous allez en amasser de plus en plus. C'est exactement comme... Votre identité est comme de la colle. Disons que vous vous êtes enduit de colle et vous allez marcher dans la rue. En 10 minutes, vous aurez amassé tant de choses. En ce moment, il y a une distance sociale, donc ça va. Autrement, vous savez, vous touchez quelqu'un, vous serrez des mains, vous ne pouvez pas vous en défaire, vous embrassez quelqu'un, vous êtes fini. Imaginez juste en 5 jours dans quel état vous serez. Tout ce que vous touchez vous colle à la peau. C'est ça le karma, c'est ce qui arrive à la vie. Pourquoi l'enfant exubérant que vous étiez, si joyeux et merveilleux? C'est simplement parce que une telle charge. Tout ce que vous avez à faire, c'est n'essayez pas de vous débarrasser du karma. Le solvant est tel que vous retirez la colle autant que possible. Certaines choses collent encore, mais en grande partie, la colle est partie. Donc même s'il y en a, ça ne colle pas vraiment très fort. Quand la colle est vraiment bonne, si j'essayais de l'enlever, la peau va partir avec. Oui, si c'est vraiment bien collé, la chair va partir avec. Si c'est légèrement collé, avec un minimum de douleur, vous savez, on peut l'enlever. Si ce n'est pas collé du tout, très facilement, on peut juste vous faire prendre une douche. Donc, vous devez être comme ça. D'ici votre mort, peu importe quand c'est, vous devez devenir comme ceci. Votre colle doit avoir été enlevée en grande partie. Si simplement j'arrive et fais ça, elle doit partir. Autrement, on doit aussi enlever la peau et la chair. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour moi. Je n'aime pas torturer quiconque. Donc demain, à 7 h du soir, À 7 h 30, on a un rendez-vous téléphonique avec tous les bénévoles qui parlent anglais à travers le monde. Alors pourquoi est-ce que vous le mettez là? Ok, ce n'est pas demain. Ok, donc... Ok. Donc, avec tous les bénévoles qui parlent anglais, le 15 à 19 h 30, le 15 avril, à 19 h 30 du soir, heure indienne, IST, nous allons avoir une conférence téléphonique tous ensemble. Si vous pensez que votre numéro n'est pas dans la base de données d'ISHA, s'il vous plaît, assurez-vous qu'il y soit. Je veux juste vous parler 15 à 20 minutes. C'est le genre de moment où il faut qu'on parle. Donc,
Deux semaines de plus, à coup sûr, dans le Tamil Nadu, et probablement dans la plupart des endroits du pays. Des choses similaires ont lieu aux États-Unis. En Europe, bien sûr, c'est partiel, différentes nations agissent différemment, mais nous devrions tous être prêts à un certain niveau de contrôle sur nos vies, pas seulement en deux semaines. Nous devons être prêts, même si le gouvernement assouplit le confinement. Je veux que vous compreniez, ils assouplissent le confinement, pas parce que c'est à 100% sûr pour vous. S'ils confinent indéfiniment, ce n'est pas bon pour la santé des nations. C'est pour ça qu'ils assouplissent, pour sauver la nation, ils assouplissent, pas parce que c'est 100% sûr pour vous. Donc vous devez continuer à maintenir une espèce de confinement personnel de vous-même. Vous ne faites que les choses absolument essentielles, continuez à rester alerte pour veiller à ne pas être infecté. Ceci, vous devez le continuer. Combien de temps, on ne sait pas, mais à coup sûr, vous devez le continuer pendant le mois de mai, à coup sûr. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadeva.